What's up my boys, c'est Shane. J'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve avec Brice. Coucou. Et DHM. Yo tout le monde. Les amis, aujourd'hui on va se fight dans un build battle. Chacun va aller sur un des côtés pour construire un thème particulier. On va avoir les amis 10 minutes sur chaque construction seulement. Et le premier thème les amis, ça va être Lamborghini à construire sur Minecraft. Quoi? Lamborghini? Une image maintenant du Lamborghini et t'as le droit à tous les blocs qui existent sur Minecraft, frérot. Les amis, il faut savoir que le gagnant de ce build battle gagnera la dernière construction dans la vraie vie. Là, tu me parles là. Premier, tu gagneras 3 points. Deuxième, 2 points. Et dernier, 1 point. Chronomètre lancé, les amis. C'est parti. 10 minutes pour construire une Lamborghini. J'ai exactement tout ce territoire-là plat. Il y a DHM de l'autre côté du mur en bedrock et Brice juste là-bas. Première fois que je fais ce concept sur la chaîne. J'espère que vous avez kiffé. C'est parti. Comment on va faire notre Lamborghini, je pense? On va choisir une couleur un peu vive. Ok, les gars. Donc, moi, ma stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est de regarder sur internet. Alors, les amis, je suis mute. Là, on va passer aux choses sérieuses. J'ai caché juste ici, les amis, à l'intérieur de 6 immense mur, il y a un passage au centre. Oh, regardez, on voit le place de THM, vous le voyez? Voilà, comme ça. Je pense qu'on va la faire assez grande. Peut-être commencer par les roues, les gars. Il y a un coffre avec une boussole et un bâton. Pip, pip. Ils ne sont pas au courant, il n'y a que moi qui est au courant de ça. Cette boussole-là va me permettre de me TP à travers les murs pour que je puisse aller les espionner. Regardez. Oh, THM! 4 comme ça, ça peut être pas mal, je pense, si on en fait 4 comme ça. Vite. Hop là. Il m'a pas vu, let's go. Et ce bâton va me permettre, les amis, de copier-coller n'importe quel objet devant moi. Regardez la team. On va charger tout ça. Bam. Vous êtes prêts? Je me retourne. Oh. Les gars, regardez ma voiture. Elle ressemble à rien. Peut-être, les gars, on va la refaire, mais en dalle... On va la refaire en dalle, les gars. Ah oui, les gars, moi, je veux gagner. Alors, avec le bâton, ce que je peux faire, c'est changer l'emplacement. Parce que là, regardez, elle touche pas forcément le sol. Je peux faire ça et choisir où est-ce que je veux la poser. Bam. Seuls ceux qui veulent avoir une Lamborghini dans la vraie vie ont le droit de liker cette vidéo. J'ai fait une plaque d'immatriculation. Parce qu'en fait les gars, dans les Lamborghini on peut voir le moteur dessus, mais il n'y a pas de dalle en vitre malheureusement. Alors là, je peux traverser le build, toi. Il n'existe pas vraiment. On va devoir charger tout ça. Pour ça, hop, ici, on va mettre tout ça en poser le schéma dans le vrai monde. Bam. Normalement ça charge. Let's go. On attend un petit peu. Là elle est vraiment réelle. Je peux vraiment me poser dessus. Les amis, il vous reste un peu moins d'une minute. Chier, merde. Ouais mais c'est impossible de finir frérot là en une minute. Il faut nous laisser un peu plus de temps. Ah bon? Moi franchement j'ai bientôt fini. Mais what? Brice, t'as réussi? Ouais j'ai réussi là. Ouais j'ai bien réussi là, t'inquiète. N'oubliez pas, le gagnant recevra un des objets dans la vraie vie. Un des objets? Attends, ça veut dire que ça peut être un lambeau. Ok. 3, 2, 1. Fini. On va commencer par voir DHM. Shane Brice, laissez-moi vous présenter la Lamborghini. La Lamborghini. Donc c'est la Lamborghini Emerald bleue, conçue spécialement pour Minecraft, les gars, avec un petit aileron en carbone rouge. Pas mal. Comme dans toutes les Lamborghini, on peut voir le moteur. Purée, ça tue, frérot. Au niveau de l'avant du véhicule, on a mis un petit bas de caisse en émeraude également. Ah ouais, pas mal, mec. Elle est très basse, la caisse, pas mal. Bien sûr, c'est la Lamborghini. C'est le modèle émeraude, en fait. On passe à Brice. Alors, les amis, je vous présente ma Lamborghono. DHM, c'est quoi ce truc? Alors, je vous explique, en fait. Je vous explique. Je sais que vous vous dites, mais ça ressemble pas du tout à une voiture. Alors, c'est un modèle du futur. C'est la prochaine Lamborghini, les gars. Et les roues, les gars, c'est des œils de laine. C'est pas mal, en vrai. Oh, derrière la plaque d'immatriculation. AB063RN. Est-ce que c'est ta vraie plaque dans la vraie vie? Non, parce que tu sais, j'ai fait un jeu de mots. AB rend par rapport à... Ah, par rapport à... Ouais. C'est Herbéron, frérot. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, que je vous présente ma Lamborghini? Alors, moi, les gars, voilà. Voilà la Lambo, les gars. Alors, franchement, j'ai galéré, j'ai un peu mal au doigt. Mais quoi? Ouais, j'ai un peu mal au poignet et tout. Je vous invite à aller devant. Attends, quoi? Bon, la dernière fois que j'ai build avec toi, t'avais pas ce niveau, hein. En fait, j'ai appris de mes erreurs, d'accord? Je me suis entraîné très, très, très fort. Genre, vraiment, j'ai fait que ça. What? Son rétroviseur est plus gros que la Lamborghini de Brice. Eh, hey, oh, parle bien de la Lamborghini, par contre, frérot. J'ai fait à l'intérieur aussi, regardez. Hop, si vous voulez passer par là. Donc là, à l'intérieur, avec les sièges. Ça, c'était assez facile à faire, en vrai. Y'a le volant, le levier de vite. Non, mais attends, mais t'as fait ça en 10 minutes? Ouais, bon, 10 minutes 05, j'ai un peu triché, j'avoue. Regarde, il a mis la pédale de frein et tout. Dis-moi, c'est où là? C'est quoi la pédale d'embrayage? Vous avez vu les pots d'échappement derrière? Ah non, j'ai pas vu, attends. Un petit pot d'échappement. Ton pot d'échappement, il est vachement compatible avec ce que j'ai dans mon inventaire. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, Unchained, c'est l'intérieur. Mais attends, j'appuie sur les boutons, j'appuie sur les boutons. Quoi? Bien ce pot d'échappement, hein. Mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais si j'appuie sur tous les boutons, ça a explosé, gros. Ah, il appuie sur tous les boutons, frérot. Hein. Non, mais vas-y, frère, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'as appuyé sur les boutons? Brice, ça veut dire qu'il a perdu, sa voiture, elle est détruite. Ça veut dire que là, frérot, moi, perso, je vois pas de Lamborghini, là. Hein. DHM, première place, les gars, 3 points. Brice, Bébrice, deuxième place avec 2 points. Et Unchain, frérot, un seul point. Vas-y, c'est bon, vas-y, prochain thème. Tu vas devoir construire le plus beau serpent. 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. C'est parti. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Je suis dernier de la compétition. J'ai pas vu, mais dans mon build de base pour faire le pot d'échappement, j'ai mis des TNT parce que c'était stylé. Quelqu'un les a allumés. Alors là, vous ne voyez pas encore, mais ça, c'est la base, les amis. C'est pas possible. Alors, pour ce serpent, les gars, même technique. On va ouvrir mon menu. Dans mes schémas, The Snake, qui veut dire serpent en anglais. Oh my god, let's go. Ok les gars, là ensuite on va directement commencer à tourner. Bam. Je vous annonce un record du monde en 1 minute 20. Un serpent a été créé. Alors j'ai un peu peur parce que c'est pas non plus le plus gros serpent. Je pense que largement eux ils vont pouvoir être faisables de faire ça. Couche comme ça, ça me paraît pas trop mal. Peut-être. Est-ce que vous commencez un petit peu à voir la forme? Là on va redescendre les gars. Là l'objectif c'est vraiment de faire un arc de cercle et ensuite de pouvoir monter avec le serpent. J'ai assez vite par contre parce qu'en vrai j'ai un peu pris mon temps sur le début. Mais les gars, un serpent c'est compliqué à faire. Et là les amis, on va commencer à faire le premier œil, boum, regardez le petit jeu qu'il a. Les gars, votez pour moi en commentaire, dites-leur même si c'est faux que je suis le meilleur builder. Écoutez amis, moi je pense que j'ai terminé, voilà, je pense que là en vrai on est pas mal. C'est un petit serpent mais je trouve mignon. J'ai fini. Je me mute micro. Et s'il reste 5 minutes, t'as vraiment fini? Ouais. T'as vraiment fini? Oui. Mais mon truc, je suis qu'au début, moi. Allez, moi je me mute, je me focus. Je vais parler aux abonnés. Quoi? Brice a déjà fini alors qu'il lui reste 5 minutes? Et moi j'ai fini. Il a pas pu tricher, c'est pas possible. Je vais aller voir. Hop. Mais mec, c'est quoi son serpent? C'est un mini diplodoculus. Mais regardez, je crois qu'il est AFK, les gars, parce qu'il a fini. Venez, on se rapproche. Faut faire genre, en fait, le serpent, il est. Bah il est un serpent quoi, tu sais, il est un peu suspendu en l'air, tu vois. Oh mais mec, c'est pas possible. Oh bah c'est trop mignon. S'il a FK les gars, c'est sûr que attends, je vais tenter de lui casser son serpent, il va pas comprendre les gars. Billy, père de famille, vous rendez compte, ils vont se faire des sorties avec leurs enfants avec Gotha. Sur tous les jeux vidéo, Il m'a pas vu je crois. On style. Boussole. Ok c'est bon, Tête coupée. Et là les gars, on va commencer la tête du serpent. Pour la tête, c'est un peu compliqué. Plus que 1 minute. Ah, j'ai pas fait la tête, il me reste qu'une minute. En attendant que DHM finisse, grosse dédicace à ces 8 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous les amis d'avoir rejoint la chaîne. Si toi aussi tu veux passer dans mon fond vert, dans ma prochaine vidéo, abonne-toi en activant la cloche. Et je te ferai peut-être une dédicace. 3, 2, 1. Top les gars, on lève les mains. What? What? Levage de main. Mais attends, mais... Je construis plus. Alors les amis, on va commencer directement, cette fois-ci par Brice. Attends, mais... Attends, il y a un problème là. Alright. Alors les gars, je vous dis, il y a un big problème, c'est que vraiment j'ai fait mon serpent. J'ai fini il y a 5 minutes. What the fuck? C'est quoi? Il y a un problème, c'est qu'en fait j'ai fait une tête et elle a disparu, la vie de ma mère, c'est pas une blague vraiment. Ouais les gars, c'est un death run ou quoi les gars? Regardez, faut aller sur les trucs verts clairs. Ouais, je crois les gars, il faut aller sur les trucs verts. Hop là, truc vert. Mais non mais les gars, je vous dis, il y avait une tête, elle a je vous la refais en 2 minutes en 30 secondes là. Non mais t'abuses Brice. Peut-être c'est parce que t'as utilisé seulement tes 5 minutes. Si t'aurais peut-être utilisé tes autres 5 minutes, t'aurais pu tout terminer. Qui est venu couper la tête? Oh, ça fait un ver de terre un peu, tu sais. C'est toi, Unchain? C'est parce que juste avant, t'étais dégoûté d'avoir perdu? Mais coucou, t'es en train de faire une accusation. Comme ça, au KLM? Mais alors, je suis ton meilleur ami. Franchement, t'as pas honte, Brice? T'avais 5 minutes de plus pour faire la tête et tu l'as pas fait. Allez, on va directement voir qui. Moi, je suis chaud de vous montrer le mien. Franchement, j'aime bien le mien. Et bienvenue. Alors, le nom de ce serpent, c'est Orenjo. En fait, c'est un serpent mexicain. On dirait qu'il a une tête de lama. Ça me détruit. Et en fait, là, il vient de manger une souris. En fait, c'est pour ça qu'il s'est un peu gros sur le cou, tu vois. Ah, du coup, c'est... Ah, allez. Ah, mais mec, c'est trop réaliste. Attends, je crois qu'il a mangé... Il a mangé la tête de Brice. Hé, vous arrêtez avec la tête de mon serpent, bande de tricheurs, je sais pas c'est qui. Les gars, go voir à l'intérieur, go voir à l'intérieur. Je rigole, les gars, il a pas fait ça quand même. Wesh. Les gars, c'est la tête de mon serpent. Quoi? C'est pas moi, c'est Orenjo qui a fait. Bon bah vous êtes prêts pour mon serpent? Je pense que genre j'ai un peu moins bien fait que la Lamborghini cette fois-ci, je peux vous mentir. Ah bah j'espère parce que... Attends. C'est trop stylé. Non, t'as pas fait ça en 10 minutes, c'est impossible. Mec, je te jure. En fait, dis-toi, Brice, ça va, hein. Parce qu'une fois que tu sais faire le cercle rapidement, ensuite, faut juste monter ce qui a dû être relou, c'est la tête, je pense. Ouais. Le plus dur, c'était les couleurs. Ah, changer un peu les couleurs et tout, tu vois. Mais sinon, tranquille. Mec, en 10 minutes, ça, mais c'est énorme. C'est vrai que c'est grand quand même, hein. Classement. DHM, premier, 5 points. Unchain, deuxième, remonte à 4 points. Et Brice, malheureusement, dernier cette fois-ci, 3 points. Ouais, on se demande pourquoi. Hein. On passe directement au troisième thème. Le thème va être...
autre, un animé qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma. Oh, c'est Mario. Bien vu, Brice. On a 10 minutes cette fois-ci pour construire Mario. Ok, j'ai déjà fait dans une vidéo, les gars. Je vais aller très très vite. 3, 2, 1. Let's go, les gars. Vite, 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 vite. Let's go, let's go, let's go. J'ai déjà build un Mario, donc je sais exactement comment le faire, les gars. Déjà, il faut du beige. Et ensuite, on va monter et faire sa petite salopette. Alors, pour ce Mario, ce que j'ai construit, moi, ce que je kiffe, c'est qu'ils ont toujours pas capté. Pour eux, là, le serpent, c'était normal. Mais là, le Mario, j'ai peur parce que la construction, elle est un peu énorme. Oh non, putain. Bon, là, les gars, je crois que je vais être cramé de ouf parce que le Mario, il est énorme. Là, les amis, on va faire ses petites mains. Hop, hop. Mais là, moi, il est pas en 2D, genre tout plat, il est vraiment en 3D. Ouais, ce qui est dur là, c'est qu'on a que 10 minutes pour faire le Mario, les gars. Ça fait le moment de faire son visage, les amis. Hop, 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 hop. Et là, les gars, on a un Mario. On est à 5 minutes là. La moitié du temps. Et cette fois-ci, on va aller streamer avec DHM. Les gars, j'essaie de faire Luigi à côté. Ça, c'est ma construction. Putain, elle est immense. Et là, oh mon dieu, frère. Oh, attends, attends. Ok, je reconnais là. Il a fait les jambes. Et là, il est au niveau du ventre. Et il s'applique un DHM. Hein. On va aller voir Brice. Brice, il est là normalement. Oh, mais non, il est chaud, frère. Mais il fait un Luigi. Ah, c'est risqué pour Brice parce que son Mario, il a l'air d'être vraiment petit. Ah, pas au mien. 7 minutes sont écoulées. Il reste plus que 3 minutes. Comment ça va, les gars? Eh bah, écoute, frérot, ça va. Hein. Alors, 3 minutes, ça va être compliqué. Mais si j'y arrive, mon Mario va être incroyable, frérot. Une 3. Une 2. Fini. Non, j'ai pas eu le temps de finir. Si DHM il a pas eu le temps de finir, les amis, eh ben on va aller voir tout de suite DHM. Venez, venez, venez les gars, n'hésitez surtout pas à venir. Et ouf. Pourquoi vous rigolez? Eh, hey, tu builds là. Eh, il build, les gars. Il build, c'est un tricheur. Non, mais les gars, mais j'ai pas eu le temps, les gars. Mais je pense que même si tu aurais fini, en vrai de vrai, c'est juste les couleurs, quoi, qui ressemblent à Mario. Mais après, Oh, le menteur, les gars, dites-le en commentaire qu'il est incroyable. Mais non, mais arrête. Mais il est normal. Enfin, je. Frérot, Mario là, il a la gastro, hein. C'est pas possible. Non, mais en vrai, regardez, venez d'en face. Mais oui, je suis d'accord. Il ressemble. Il est tellement large, mec. Il est gros. T'as un problème avec les gros? Mais pas du tout. Mais là, il est pas gros. Il est juste étiré là, le ref, on dirait un mème. Il a la chiasse, Mario, regardez. What? Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Hey, let's go à moi. Moi, je suis jamais passé en deuxième. Oh, quoi? Wesh, mais quoi? Attends, frérot, là, y a un problème, Charles. Encore le serpent, allez, Charles, encore Charles. La voiture, mais le Mario, frérot. Tu peux pas dire que t'as fait ça en 10 minutes. Y a au moins 1 million de blocs, Charles. Mec, mes doigts, ils sont rouges, mec, ils sont rouges de feu, mec. Mais t'as triché, frérot, comment t'as pu faire ça? Bah, genre, en fait, dans ma tête, j'ai une vision. Et du coup, ensuite, après, bam, je le fais, quoi. Non, non, non. Moi, j'y crois pas, je t'avoue. Ouais, ouais. Écoutez, franchement, voilà, analyser et tout. Et puis, let's go voir Brice. Ok, les gars. Alors, voilà. Ah, c'est trop mignon. Je vous présente Mario et Luigi, les gars. Tu sais qu'ils pourraient tellement être dans Minecraft. Oh, le château d'air. Oh, mec, t'as masterclass le château, mec. Moi, je reconnais pas Mario. Voilà, je le dis, je reconnais pas Mario. Est-ce que je suis aigri? Oui. Non. Ah, attends, regardez là. Là, il y a une petite ouverture, là. Ah, frérot, là, il s'est trompé le coiffeur, là, le dégradé. Du coup, classement. Unchained passe premier avec 7 points. DHM est deuxième avec 6 points. Et moi, je suis dernier avec 5 points. Le dernier thème, je pense que vous allez adorer. Oh! Je crois que DHM, il a trouvé. Vous allez devoir faire un dragon. Quoi? Un dragon. Les amis, tous à vos positions. On est reparti pour le dernier thème. Tout va se jouer là-bas. On se joue maintenant, les gars. Et c'est parti. Pour nous, est lancé, les amis. Cette fois-ci, il n'y aura pas 10 minutes, mais 15 minutes. Ok, les gars, on est sur le dernier build. C'est le dragon. Je pense que je vais faire une tête d'un dragon géant à l'intérieur. Je vais faire un petit parcours. Les gars, moi, j'ai vraiment le seum parce que je trouve que mon Mario, il était mieux. Par contre, celui d'Unchained, les gars, ça sent la triche. Ça sent la triche, mais. Par contre, les gars, j'ai vraiment un gros, gros doute sur Unchained, les gars. Je pense sincèrement. Sincèrement, tu triches, mec, c'est pas possible. Alors, mec, le dragon que j'ai, mec, tu vas péter un câble. Les gars, écoutez, j'ai envie de continuer mon dragon, mais vraiment, ça me prend la tête de fou. Je vais essayer d'aller voir Unchained, les gars, pour voir s'il triche ou pas. Je vais passer entre les murs. Hop, je suis refermé derrière moi. Hop, tac. What? C'est quoi ça? Coffre secret d'Unchained? Une boussole? Ça fait quoi si je fais la clé 3? Oh, ça me téléporte, regardez la bagnole DHM. Attendez, il y a Unchained, les gars, il a rien fait encore. Charizard, regarde, mon dragon préféré. Oh, mec, il est immense. Il va. Oh, oh, c'est quoi ça? What? Regardez comment il est immense, les gars. Comment ça apparaît de fois, les gars? Comment ça fait laguer le serveur? Il y a tellement de blocs à se mettre. Il a fait spawn un drac au feu. Il est énorme. Mais il triche depuis tout à l'heure, c'était sûr. Vous savez quoi? Pour l'instant, je dis rien, je vais faire ma construction. Mais tout à l'heure, au moment du reveal, frérot, je vais faire un coup d'état. Je vais dire à tout le monde qu'il a triché. Je retourne à ma construction. Il fait 19 222 blocs exactement. Wouah, mec, l'inter, comment c'est énorme. Wouah, la 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 la. Ce que j'ai envie de faire, c'est une opération sabotage. Parce que Unchained,
mais les gars, j'ai pas envie qu'il gagne. Parce que là, j'aurais pas le temps de faire mon dragon. Une opération TNT, les gars. Waouh, la queue, regardez comment c'est fait. On dirait trop c'est du feu. Ça a été fait avec quoi, hein? On va faire un petit passage secret, les gars. Je crois qu'ici. Oh, ici, les gars, c'est Brice. Oh, il faut vite que je me cache. Hop. Vert rouge. Mec, imagine le niveau en build qu'il faut, mec. Les gars, Unchain, il est par là. Les gars, c'est impossible. Mec, ils ont aucune chance. Je sais pas ce qu'ils font, mec, mais ils ont aucune chance. Là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller se rapprocher du Dracofeu pour pouvoir mettre de la TNT. Vous êtes pas prêts avec ce qui va se passer? Parce que moi, j'en ai marre. Je veux gagner, les gars. Là, on va bien terminer ça. Ok, les gars, normalement, je crois que je suis en dessous de Dracofeu. Ok, les gars, oh, c'est incroyable. Les gars, on va se faire un petit chemin à l'intérieur. Et là, du coup, ce que je vais aller faire, les gars, c'est aller vers la tête et je vais mettre des TNT partout, les gars, sur la tête. Mais regardez comment c'est immense. Mon jeu, je vois rien à l'intérieur tellement c'est gros. Hop, 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 hop. Hop, hop. S'il y a des petits défauts ou quoi, tu vois, je vais faire tout bien nickel. Là, on va mettre de la TNT vraiment, vraiment, vraiment partout, les gars. Là, je vais vraiment mettre, les gars, la TNT au niveau des yeux pour que ça explose ses yeux. Les amis, il reste plus que une minute. Oh, moi, j'ai fini, les bras levés. Je suis bon, les gars. Ok, les gars, si vous voulez, je vous invite à venir regarder le mien en premier. Je crois qu'on n'a jamais fait le mien en premier, si vous voulez. Vas-y, go. On arrive. Alors, les amis, je vous présente. Waouh. L'Under Dragon. Oh, les yeux, c'est le portail, mec, c'est trop stylé. Et regarde, viens voir, venez voir, les gars. Je vous montre à l'intérieur, si vous voulez. Je vous ai fait un petit parcours si vous voulez l'essayer. Il y a un petit parcours dans sa bouche. Oh, trop bien. Et là, ensuite, après, l'arrivée, c'est le portail et bam, t'es sur le museau. Mince. Hop. Exactement. DHM, let's go. Let's go. On va voir ton petit build, DHM. Oh, oh. What the fuck. Mais what? Mais qu'est-ce qui s'est passé à ma construction? Attends, c'est ça ton dragon, DHM? Mais t'as pas eu le temps, frère. Mais si, regardez frérot, ce que j'avais fait. Je vous envoie une photo, regardez. C'est bizarre, frérot, hein. Il est arrivé la même chose tout à l'heure à mon build, hein. Mais tu triches, DHM, si tu prends des exemples sur internet. Mais c'est pas de la triche, les gars, tout le monde fait ça. Toi aussi, tu l'as pris sur internet, non. Brice. Je ne l'ai pas pris sur internet, frérot, pas du tout. Il y a aucune preuve, frérot, je veux dire, bon, voilà. Hein. Moi, putain, les gars, c'est-à-dire que je suis le seul à pas tricher, genre. Bah vas-y, bah, on va voir le tien, alors vas-y, allons voir. J'ai hâte de voir ça, frérot, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ton Dracofeu. Ouais, voilà. Mais comment tu savais que c'était un Dracofeu? Voilà. Parce que j'ai été espionné tout à l'heure, Unchain. J'ai été espionné. Je t'ai vu le poser. T'as triché. Quoi? T'es un tricheur. Mais non, DHM, écoute, DHM, tu crois en moi ou pas? Je te jure que non, mec. J'ai pas triché, frère. Mais frérot, si, tu sais que je t'ai vu tricher, moi aussi. Et voilà, merci, DHM. Let's go. Et tu sais quoi, Unchain? Brice, viens à côté de nous. Je dois vous montrer un truc. Venez, suivez-moi. Il y a un easter egg dans l'œil, les gars. Venez voir. Rien du tout. C'est moi qui a fait l'œil. Hein. Si tu souffres comme ça. Oh! Ça, j'aime bien ça. Y'a quoi? Regarde, oh, il a un œil en TNT, c'est bizarre. Non, c'est quoi ça? What? Non. Non. Ma Dracofeu. Non, mais qu'est-ce que vous avez pas de TNT comme ça? Dracofeu, c'est ciao. Brice, tu as gagné, donc t'as plus 3 points. Passe de 5 à 8. Moi, malheureusement, je me suis fait manger. Mais vu que je n'ai pas triché, j'arrive à la deuxième place. Donc ça fait plus 2 points. Et je suis aussi à 8 points. Unchain, tu es un tricheur. Tu es à la dernière position avec plus 1 point. Sauf que t'avais 7 points. Et donc t'as 8 points aussi. Oh, on est tous égalité. Allez, ça vous apprendra à casser mon Dracofeu. Je pense qu'il faut un épisode 2. Mais il faut un objectif de like. Bon, les amis, si vous avez kiffé le concept, si vous êtes éclaté une barre. Objectif 55 555 likes. On fait une partie 2 où cette fois-ci personne n'aura le droit de tricher. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait grave plaisir. Il y aura la chaîne de DHM et de Brice en description. Passez une bonne journée, les refs. Et surtout, geekez comme des porcs. Ciao, bye. Simmer. Simmer.